We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo qui m'a vraiment été beaucoup demandée. Ça fait un petit moment que vous me la demandez, genre depuis presque octobre je dirais, enfin à peu près depuis la rentrée, un peu après quoi. C'est la vidéo sur mon organisation, comment je m'organise pour réviser, pour faire mes fiches, enfin comment je m'organise pour réussir, on va dire. Je vous avais dit que j'attendais les résultats de mon semestre 3, donc en fait on a passé les partiels en novembre et on avait encore un partiel en stage du coup au mois de... Ben moi je crois que c'était au mois de janvier. Et du coup les résultats étaient en février, donc le jour juste avant les vacances. Donc j'ai eu les résultats il y a un peu plus d'une semaine. Donc voilà, j'attendais ces résultats là parce que si les résultats étaient mauvais, autant vous dire que ça sert à rien que je vous présente une méthode qui n'a pas fonctionné sur moi. Si vous regardez mes vlogs, vous êtes au courant de mes résultats. Pareil si vous me suivez sur les réseaux, je crois que j'ai dû le dire sur Snap et peut-être sur mon, ma story Insta, je suis pas sûre. J'ai ma petite feuille avec mes petits résultats. Donc on avait combien de partiels? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On avait 10 partiels et donc j'en ai eu un que je n'ai pas eu. Et c'est un où il fallait pas réviser avant. Donc c'est ma méthode, quand je l'ai fait c'était un oral en stage et je l'ai pas eu. Voilà, en plus c'est sur un projet de soins et une planification de soins. Donc on va faire en stage, je l'avais montré du coup aux infirmières avec qui je bossais et à la carte qui m'avait dit que c'était bien, sauf qu'en fait c'est un truc qui manquait je pense, enfin si c'est ce que je pense, faut que j'aille voir ma prof dans la méthodologie demandée par l'école, donc je pense que c'est ça, voilà, j'ai eu 7,5 parce que sinon les autres projets de soins en cours j'avais validé. Du coup, bon c'est rien, je pense que je vous détaille les notes hein. On s'en fiche un petit peu, donc en fait on valide un partiel quand on a 10 ou au-dessus de 10. Et donc voilà, je vais vous parler de ma méthode. Donc déjà ce que j'ai fait au début d'année, dès le début d'année, c'est de faire des fiches pour chaque matière qui sera en partiel écrit. Donc là où il faudra apprendre par cœur entre guillemets, puisque je ne fais pas du par cœur, mais genre les partiels qui sont en groupe, tout ça, j'ai pas fait de fiches. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait je prenais donc mon emploi du temps de la semaine, si je les avais sur deux semaines c'est encore mieux. Et je me faisais des listes, par exemple UE 1.3 machin, et je détaillais à chaque fois, je rajoutais tout ce qu'on a eu comme partiel pour être sûr de ne rien oublier, de pas oublier un seul cours, parce que suffit que t'en oublies un que ça tombe la majorité du partiel dessus et t'es foutu. Donc ça c'est ce que j'ai fait au début, et puis au final en fait comme j'ai les emplois du temps à chaque fois sur mon téléphone, ce que je faisais c'est que j'avais donc la photo sur mon téléphone et vous avez une option pour annoter sur le téléphone, donc directement je barrais ce que j'avais déjà fait, ou je faisais un petit sigle spécial pour dire que j'ai déjà fait la fiche. Donc je fais mes fiches sur des fiches Bristol, tout simple. Il y en a beaucoup qui me demandent mais t'as acheté où tes fiches? Bah c'est juste les fiches Bristol, genre les fiches les plus connues quoi. Je les fais sous forme, voilà, je mets un titre, je numérote. Bah celle-ci justement elle est pas numérotée. Je numérote par UE, donc à la fin genre, du semestre il y a des matières où je peux avoir genre 50 fiches. Je numérote par UE, je numérote pas par cours parce que comme ça c'est plus simple, genre si jamais mon classeur tombe je sais comment les ranger etc, et je ne me perds pas. Et voilà, donc je fais mes petites fiches, il n'y a pas de couleur spéciale parce que j'ai déjà vu des personnes qui surlignent un truc d'une couleur, par exemple une définition d'une couleur, un truc de l'autre, ou qui écrivent une certaine couleur. Moi j'ai pas de code couleur comme ça. Je suis très visuelle, du coup de recopier mes cours ça m'aide beaucoup. Même si c'est vrai que ça prend du temps, mais ça permet aussi de résumer le cours, de le synthétiser. Et un truc que j'avais commencé en début d'année et que je vous avoue que j'ai un peu moins fait après, c'était de relire mes cours que j'avais vu la journée le soir. Déjà il y arrivait des jours où le soir j'avais pas le temps de faire mes fiches que j'avais vu la journée. Donc il y a des fois je prenais un peu de retard mais je me rattrapais le week-end ou voilà. Faut savoir aussi qu'il y a des moments où j'ai des cours qui sont facultatifs, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'y aller, mais ces cours-là en fait c'est des cours qui sont en vidéo et du coup on a un site où on peut les voir. Donc il y a des cours où je n'allais pas, mais j'essaie quand même d'y aller parce qu'il y a certains cours où les profs ont des interventions par rapport, donc on appelle ça des Moodle, donc par rapport à ces cours là, et du coup ça nous aide beaucoup, ça nous oriente un petit peu sur le partiel. Donc voilà, j'essayais d'y aller au max, et si j'y allais pas je faisais le cours du coup à la maison. Donc voilà, en gros c'est surtout ça que je faisais. Je fais pas genre je répète pas à l'oral, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça aussi, qui aiment bien répéter à l'oral ou qui aiment bien qu'on leur pose des questions. Moi c'est pas trop comme ça que j'apprends, je vous avoue. Je suis vraiment plutôt visuelle, donc mes fiches, je relis mes fiches. Ce qui est très important aussi c'est d'écouter en cours parce que franchement il y a des trucs
Pendant mes partiels, j'étais là en train de me dire tiens, j'ai entendu ça en cours et hop, ça se remet un peu dans ma tête. Pareil pour les fiches, je revois certaines fiches du coup où je mets des couleurs, je me vois ma fiche dans la tête et ça m'aide un peu. Bon, il y a un truc qui m'a pas trop aidé en plus pendant les partiels, c'est que j'avais des maux de tête et du coup j'avais des pertes de mémoire. Voilà, c'était un petit peu chiant, mais ça va pas. Enfin, les plus gros yeux, on va dire, j'ai pas eu des notes de ouf, hein, j'ai pas eu non plus 16-17 pour certains yeux, mais j'ai quand même réussi, donc j'étais plutôt fière et plutôt soulagée aussi de pas avoir ces rattrapages en juillet, je vous avoue. Non merci. Et ensuite pour les cours, donc je prends mes cours sur ordinateur, j'ai beaucoup de cours aussi récupérés des années précédentes. Du coup, comme vous savez, j'ai redoublé, donc j'ai des copines qui sont du coup une année au-dessus de moi, donc je peux leur demander des cours et tout ça et ça m'aide pas mal, surtout en cours, d'avoir les cours qui sont déjà tapés des autres années. T'as plus facile à écouter le prof plutôt que d'être toujours là, oh là là, faut vite taper avant qu'elle change la diapo, tout ça, et ça m'aide beaucoup. Après, je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà. Il y a certains cours aussi où ce que je faisais, c'est que je faisais mes fiches en même temps que le cours, puisque je l'avais déjà tapé, et ça m'avançait. C'est vrai que c'est... t'apprends plus quand tu le fais à la maison, au calme, mais du coup ça me permettait d'avoir de l'avance sur mes fiches et ça m'aide beaucoup, c'est vraiment un gain de temps, parce que vous savez qu'avec YouTube, tout ce que je fais à côté, le sport, c'est un petit peu compliqué d'avoir du temps pour tout. Donc voilà, rien d'exceptionnel, j'ai pas une méthode magique qui va vous faire réussir vos partiels, mais en tout cas moi je vois que là c'est ce que j'ai fait, je m'y suis vraiment tenue et j'étais beaucoup plus assidue et ça a bien payé par rapport aux autres années. Par rapport aux années précédentes où j'avais pas mal de rattrapages, surtout des partiels à l'écrit, alors que là non. Donc j'étais plutôt très très contente, je vous avoue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à partager vos petites méthodes, donc comme je vous l'ai dit, moi c'est rien de ouf, hein, vraiment. Et voilà, à plus tard pour une prochaine vidéo.